L'extradition de Salah Abdeslam retardée de plusieurs semaines. Actuellement incarcéré en Belgique, le suspect clé des attentats du 13 novembre à Paris doit d'abord être entendu par la justice belge dans l'enquête sur la fusillade survenue lors d'une opération de police dans le quartier de Forest à Bruxelles, 3 jours avant son arrestation. Le pape se rendra en Grèce la semaine prochaine pour rendre visite aux migrants du camp de Lesbos. L'île est la principale porte d'entrée des réfugiés en Europe depuis un an. Dans son message de Pâques, le pape avait condamné le refus de ceux qui pourraient offrir un accueil et de l'aide aux migrants dans les pays occidentaux. Après ses propos sur la pédophilie, Mgr Lalanne demande pardon. L'évêque de Pontoise avait initialement déclaré que la pédophilie était un mal, mais qu'il ne saurait pas dire si c'était de l'ordre du péché. Le prélat est aussi responsable de la cellule de veille de l'épiscopat sur la pédophilie. La Société Générale a reçu ce jeudi la visite de militants d'Attaque qui ont bloqué l'accès d'une agence parisienne. La banque a été épinglée dans l'affaire des Panama Papers pour avoir ouvert 979 sociétés offshore par l'intermédiaire du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. Un musée Charlie Chaplin ouvrira ses portes le 17 avril sur les bords du lac Léman en Suisse, dans la maison où l'acteur a vécu avec sa famille pendant près de 25 ans. À Corsier-sur-Vevey, les visiteurs pourront à la fois découvrir le lieu de vie de Chaplin, mais aussi tout un tas d'objets personnels du réalisateur des temps modernes.